par rapport au projet, ce qui m'a intéressé, c'était de retravailler tout ce qui était créativité et de leur montrer qu'on pouvait faire un vêtement et construire un vêtement tous ensemble et d'une manière un petit peu moins académique, le retranscrire sur un morceau de tissu. Et chacun à leur manière, on retranscrit des choses complètement différentes avec d'autres techniques. On va avoir du dessin, de la broderie, des volumes complètement découpés comme des oiseaux, des papillons. Et donc en fait, on se rend compte qu'ils sont 20 élèves et qu'il y aura 20 résultats différents. Donc les directives laissent beaucoup de liberté en fait aux élèves, puisque moi je suis les directives que m'a donné Anne-Marie, qui sont celles-ci. En fait, c'est de choisir par intuition, par cœur, comme ça vient en fait. L'idée, c'est vraiment de les laisser libres, sans trop les encadrer, comme ils ont l'habitude d'être déjà très encadrés, et de prendre des couleurs de leur choix, des motifs de leur choix, de couper dans la masse de tissu et de prendre leurs petits morceaux et d'improviser petit à petit à partir d'un carré, donc un carré ou un rectangle de tissu. Ma mère a fait de moi son tombeau vivant. Je la contiens comme elle m'a contenue et rien ne fleurira jamais dans mon ventre que son aiguille. Il me faut descendre dans la fosse, là où le temps s'entortille, ce peut l'automne.